Son tir rate complètement la cible, mais la rondelle demeure dans le territoire. Oh! Et un but! Et encore! Est, là, ça s'est fait rapidement, Daniel. Cette fois, Poirier n'a pas manqué, Éric. Et c'est Poirier! Écoute, oui. Il est tellement rapide, oui. J'ai vu le jeu partir à gauche, et après, j'ai vu que la rondelle était dans le filet, et que Justin Poirier avait triplé l'avance du Drakkar de Bécomo. C'est un trio intéressant, ça aussi. Et le but! Oui! Poirier! C'est un trio intéressant! Et c'est un trio intéressant qui vient de marquer! Ça s'est fait très vite. Écoute, on va revoir. Écoute, le trio intéressant, là, je pense que c'est Poirier. Oui, c'est Poirier qui vient de marquer son deuxième but de la rencontre. Un jeune de 16 ans, on compte beaucoup sur lui. Et il nous en donne là, dès le premier. Et là, ça sera un... pas tout à fait deux contre un, parce qu'Aguilar... Mais Aguilar n'est pas revenu! Et c'est un tour du chapeau! Aguilar a tenté de couper la passe, et c'est Poirier, Justin Poirier, qui y va d'un tour du chapeau. Alors, écoute. Daniel, un tour du chapeau, 16 ans, son premier match. Ça sent la première étoile oui. À plein nez. Bon, je ne veux pas le dire. Écoute, mais je pense que... Je veux te dire que dans les 10 dernières minutes, il est passé de 3 à 1. Ah, ben c'est ça. Il y a des choses qui changent pendant que les casquettes, oui, Daniel! Les casquettes! Alors, le jeu qui va être un petit peu...